après sa décision de créer un nouveau parti, et les CFI, le FPI, l'ex-président Laurent Gbagbo, a de nouveau évoqué les raisons de son divorce d'avec Pascal Affine-Guessant, son ancien premier ministre, avec qui il se dispute la présidence du Front Populaire Ivoirien FPI. Laurent Gbagbo, fondateur du Front Populaire Ivoirien FPI, parti miné par des divisions internes, a proposé, lundi dernier, la création d'un nouveau parti politique. Mardi 10 août 2021, lors d'une rencontre avec les responsables des formations politiques membres de EDS, l'expansionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye, qui n'entend pas s'engager dans une bataille juridique, a dénoncé le comportement de son ancien premier ministre Pascal Affine-Guessant qui aurait confisqué le FPI. Au cours de cette réunion, Laurent Gbagbo fait cette déclaration. « J'ai proposé de quitter le FPI et de laisser Affine-Guessant, qui est venu prendre en otage notre parti, que nous avons créé avec la sueur, et les emprisonnements. Parce que nous l'avons nommé, il est venu prendre le parti en otage », a dénoncé le fondateur du Front Populaire Ivoirien, avant de révéler. Affi me donne des conditions. Il dit que s'il doit me rendre la présidence, il faut qu'il soit premier vice-président avec plein pouvoir. Moi, j'ai entendu beaucoup de blagues, mais des blagues comme ça, je n'ai jamais entendu », a-t-il poursuivi, avant d'ironiser. Juste un dernier mot avant de nous quitter. En politique, il ne faut jamais faire du chantage, sinon on vous fait ce qu'on a fait à Affi, a ironisé Laurent Gbagbo. Arrêté en avril 2011 puis transféré devant la Cour pénale internationale CPI pour crimes contre l'humanité après les violences liées à la présidentielle de 2010, Laurent Gbagbo a été définitivement acquitté en mars 2021.